Salut les copains, je vous laisse, je reviens, je m'entraînerai plus tard pour la boxe. Et à bientôt les amis, les CPDC1, tout de suite, je vais vite pour la date. Oh non, c'était par là. Je vais par là. Hey, petit loup. Ah, petit loup, petit loup, petit loup. Hey, petit loup, venez. Petit loup, oh, bah, excusez, petit loup, on faisait un petit peu de boxe, il s'est entraîné et... Petit loup, oui, tu es un peu excité, mais rappelle-toi, nous sommes venus ici pour la date, car chaque jour compte et aujourd'hui, c'est la date. Alors, petit loup dit au revoir, il nous laisse faire la date et on le retrouve à la fin. Dites-lui au revoir, les CP, les CE1, avec Frédéric, c'est maintenant la date d'aujourd'hui, le rituel de chaque jour. Alors, rappelez-vous, hier, nous étions le mardi 1er décembre. Hier, c'était le premier jour du dernier mois de l'année, le 12e mois de l'année, rappelez-vous les mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, le 11e mois et décembre, le 12e mois de l'année et dernier mois. C'est-à-dire qu'à la fin de ce mois-ci, quand le dernier mois, le mois de décembre sera terminé, nous commencerons une nouvelle année. Nous ne serons plus en 2020 mais en 2021 avec un nouveau mois qui sera le mois de janvier. Alors, comme c'est un cycle, comme la semaine... Chaque semaine, on arrive au dimanche, on recommence au lundi. On arrive au dimanche, on recommence au lundi. Comme quand un mois est terminé, on recommence un nouveau mois. Et quand les 12 mois sont terminés, on recommence une nouvelle année. Donc, nous sommes donc, hier nous étions le mardi 1er décembre. Donc, si hier c'était mardi, aujourd'hui, nous sommes le lendemain du mardi. Nous sommes donc mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Alors, j'enlève le mardi qui s'écrivait avec le M, mardi. Alors, et je vais mettre le mercredi. Alors, mercredi, justement, ici, vous avez le M en capital. Et ici, le M en script. Mercredi rose, on se repose. C'est le milieu de la semaine. M qui fait le son comme mercredi. Alors, je mets mercredi ici. Alors, voyons ceci avec la roue des jours. Déjà, hier, c'était mardi, donc aujourd'hui, c'est mercredi. Donc hier, c'était mardi, la veille de mercredi, c'est le mardi. La veille, c'est le jour d'avant. Et le jour d'après, le lendemain, le jour d'après aujourd'hui, nous sommes mercredi, demain, ce sera jeudi. Donc le jour d'aujourd'hui, c'est mercredi. La veille de mercredi ou hier, c'était mardi. Et le lendemain ou le jour de demain, ce sera jeudi. Voyons ceci avec la roue des jours. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est le présent. C'est en ce moment. L'action se passe en ce moment. Hier, c'était mardi. L'action d'hier est terminée. Hier, c'était mardi. C'est fini. Donc, c'est le passé. Et demain, ce sera jeudi. Et oui, jeudi, c'est aussi une action qui n'est pas encore passée. On dit que c'est donc le futur. Donc, nous sommes mercredi. Du mois de décembre. Hier, c'était le 1. Donc, bien sûr, tu sais qu'après le 1, c'est le 2. Donc, après le 1, une unité, nous avons le 2. Et je peux donc mettre la date ici et dire qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi 2 décembre 2020. Nous sommes toujours l'année 2020, même si c'est le dernier mois. Mercredi 2 décembre 2020. Voyons ceci sur notre nouveau calendrier. Je vous rappelle
qu'hier, je vous rappelle, pardon, voici, voilà, hier, vous aviez fait la date avec Anne-Sophie et vous aviez vu que nous étions au mois de décembre. Rappelez-vous, le mois de novembre est terminé. Nous sommes donc au mois de décembre avec Petit Loup. Et bien sûr, alors il y a plusieurs événements au mois de décembre. Alors vous savez que le 25 décembre, c'est une fête qui s'appelle Noël, la fête de Noël. Et hier, c'était donc bien mardi. Mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et bien sûr, hier nous étions mardi 1er décembre 2020. Et aujourd'hui, nous sommes donc le lendemain de mardi, nous sommes mercredi, mercredi rose, mercredi 2 décembre 2020. Et comme c'est un jour d'école, alors j'espère que bientôt nous serons tous ensemble à l'école pour vraiment, que vous puissiez vraiment sentir que c'est un jour d'école. Alors, mais c'est un jour où on travaille, donc nous sommes bien le mercredi 2 décembre 2020. Et vous voyez que plus nous allons aller dans le temps, plus nous allons nous approcher de Noël et de la fin du mois de décembre. Alors, nous sommes donc le mercredi 2 décembre 2020. Nous avons mis ceci sur le calendrier. Alors, rappelle-toi que hier, c'était le... Je me rappelle, il faut que je voie mon calendrier. Hier, c'était le 53e jour d'école. Je crois. Il faut que je retrouve. Voilà, mon calendrier du mois de novembre, puisque lundi, c'était le 52e jour d'école. Mardi, c'était le 53e jour d'école. Alors, je vérifie avec mes pas ici. Oh là là, je vais vérifier avec mes pas ici. Ah, j'ai quelques problèmes avec mes pailles, mais c'est pas grave. Alors, je vais se remettre ça dans l'ordre. Alors, nous avons bien des 1, 2, 3, 4, nos 5. Nous avons nos 5 paquets ici de... Nous avons nos 5 paquets de pailles. Aïe, j'ai des pailles qui se cassent, c'est pas grave. Voilà. Nous avons bien nos 1, 2, 3, 4 et 5 paquets de 10 pailles, nos 5 dizaines. Et hier, nous avions bien... Ah, je refais la paille qui s'est cassée. Une paille qui s'est cassée en deux. Hier, nous avions 3 pailles. Tu peux les voir. 3 pailles. Donc hier, c'était le 5 dizaines. Où est mon crayon? Voilà. Hier, nous avons bien 5 dizaines. 5 paquets de 10 pailles. Et hier, il y avait 3 unités. C'était le 53e jour. Donc aujourd'hui, car chaque jour compte, je vais remettre une paille en plus. Nous allons donc bien voir 1, 2, 3 et 4 pailles. Aujourd'hui, il y a 5 paquets de 10, 5 dizaines et 4 unités. Nous sommes donc le 54e jour d'école. 5 dizaines, 4 unités. Je peux écrire donc ici. Nous sommes le 2. J'écris un 2. Puisque nous sommes le 2, ce n'est pas très... Ce n'est pas évident. Nous sommes le 2. Du 12e mois de l'année, je ferai avec un crayon plus foncé la prochaine fois. Nous sommes le 2 du 12e mois de l'année, puisque le mois de décembre est le 12, 12e mois de la mer, donc de l'année, pardon. Donc 2, 12, 2020, nous sommes toujours en 2020. Et bien sûr, nous sommes le 54e jour d'école. Alors, si aujourd'hui nous sommes le 2, c'est facile de manipuler ce nombre. Puisque c'est un nombre que vous connaissez vraiment bien. Alors le 2, je peux vous l'écrire. Alors avec, n'oubliez pas à la fin qu'il y a une lettre qui est le X. Alors pourquoi mettons un X? Vous savez, les CE1, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Vous savez que si vous êtes le numéro 2 de la course, vous serez le deuxième. Et dans deuxième, on retrouvera le X justement. D'accord. Comme le numéro 6, il y a un X et qu'on dira le 6e, ou le 10, il y a le X et on dira le 10e. Oh, petit loup, s'il te plaît, petit loup, doucement. Oh là là, ce petit loup, il est un petit peu excité. Alors, voici 2. Alors, 2, bien sûr, on peut représenter 2. Alors, c'est très facile de représenter 2, puisque 2, veut dire 2 unités, il n'y a pas de dizaines. Voici donc 2 unités. Et je peux représenter le nombre 2, c'est très facile. Voilà, 2 avec 2 unités. Alors bien sûr, on peut faire... Hier, rappelez-vous, il y avait un jour de moins. Donc on va dire moins 1. Si j'ai mes 2 unités aujourd'hui, j'enlève une unité, il m'en reste plus qu'une. Donc 2 moins 1 égale 1. Que je te montre ici.
Alors ça, vraiment, c'est très très facile. Voilà, 2 moins 1 égale 1. Demain, il y aura un jour de plus. Donc nos deux unités d'aujourd'hui, demain, on mettra un jour de plus. Donc 2 plus 1 égale, eh oui, 2 plus 1, tu l'as vu, tu peux voir le résultat, 2 plus 1 égale 3. Que je te montre ici. Voici, donc c'est très très facile, mais on le fait quand même. Et bien sûr, si j'ai 2, je peux aussi rajouter 10. Si je rajoute 10, je vais faire plus 10. Je te rappelle que ajouter, c'est faire en plus, mettre en plus. Masse. Alors, si j'ai 2 et que j'additionne 10, donc une dizaine, j'aurai une dizaine de unités. 10, 11, 12. 12, et rappelle-toi que tous les nombres comme 11, 12, 13, 14, 15, 16 prennent un Z à la fin. Alors, et puis nous pouvons faire avec 100 aussi, même si je n'ai pas de petite plaquette, il faudrait que je trouve une petite plaquette qui me montre 100. Je peux, à la rigueur, je peux. Plus 100. Alors, 100 plus 2. Nous allons donc avoir une centaine, 0 dizaine et 2 unités. 100 plus 2 feront 102. Alors, je peux essayer de vous montrer ce que représente 102. Vous allez me dire, oh là là, non, 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 c'est trop 102. Eh bien, alors, vous savez que 100, c'est 10 paquets de 10. Alors, représentons 102 avec 10 paquets de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Si j'ai 10 paquets de 10, 10 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines, ça fait 100. 10 dizaines, ça fait 100. Et 100 plus les deux unités. Voici, je t'ai représenté 102. Alors, de la même manière que quand j'ai 10 petits cubes, je peux le remplacer par une dizaine. Lorsque j'aurai 10 paquets de 10, j'aurai une petite plaque qui représente un carré comme ça, qui représente 100 petits cubes que je pourrais remplacer. Je pourrais donc remplacer les 10 dizaines par une plaque de 100 unités ou de 10 dizaines. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Simplement, il faudra que j'aille à l'école chercher du matériel. Alors, nous avons donc manipulé ces nombres qui sont très faciles. Alors, finissons simplement, comme chaque séance, avec, rappelez-vous, un virlangue. Un petit virlangue, et oui, qui nous aide à manipuler la langue, à articuler et à parler bien, ce qui va t'aider en lecture, mais aussi en langage. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, c'était « Ma mamie mange un malabar ». Un malabar qui était un chewing-gum. « Ma mamie mâche un malabar ». Aujourd'hui, attention, c'est un plein plat de pâtes plates. Vous savez, les pâtes, comme des spaghettis, mais plutôt... Ce serait fettuccine qui serait une grande pâte toute plate. Des pâtes qu'on peut manger avec du pesto, avec de la sauce tomate, avec un peu de basilic, du fromage et des pâtes. Alors, attention, c'est un plat, un bon plat de pâtes. Et il est plein ce plat, il y en a beaucoup, il est plein. Et les pâtes sont plates, plates. Plat, ça veut dire, voilà. Alors, par exemple, quelque chose qui est comme ça, ce n'est pas plat. Plat, ça veut dire, voilà. Si je prends ici... Voilà, je vais prendre ici un livre. Je peux dire que le livre, il est plat. D'accord ? Alors, attention, c'est un plat plein de pâtes plates. Attention, il y a des peu, des pleux, c'est difficile. Et pour vous les CP qui avez vu le son p, il n'y a pas longtemps, c'est très très bien. C'est un plat plein de pâtes plates. C'est un plat plein de pâtes plates. Entraînez-vous à la maison et de plus en plus vite. Alors, autre chose, vous avez vu qu'avec Petit Loup voulait faire de la boxe. Petit Loup s'entraîne, il fait des pompes, il fait des abdos avec Frédéric. Et puis, bien sûr, ok. Et bien sûr, c'était du sport. La boxe est un sport. Ici, en plus, au Nicaragua, c'est un sport très populaire avec le baseball. Mais la boxe, il y a plusieurs sortes de sports. Si on parle de sport, justement, voyons le mot sport. Alors, qu'est-ce qu'une activité sportive ? Une activité sportive, ça va être une activité que tu vas faire. Alors, une activité sportive, elle peut être de
deux sortes déjà. Il y a un sport, l'activité sportive est un sport. Alors, le sport peut être individuel, ça veut dire qu'on fait du sport tout seul. Si je vais courir, je suis tout seul à faire mon sport, c'est un sport individuel. Lorsque je vais faire de la boxe, je suis tout seul pour combattre un adversaire. C'est donc un sport individuel. Si je fais du taekwondo, je sais qu'il y a beaucoup de taekwondo au Nicaragua, le taekwondo, c'est aussi un sport individuel. On est tout seul face à quelqu'un d'autre, face à un adversaire. Alors bien sûr, on peut faire aussi, je ne sais pas moi, du tennis de table, du tennis, un sport individuel. Mais il y a aussi des sports qu'on va faire en équipe. Bien sûr, vous connaissez le football. Voici le maillot du Nicaragua. Le football. Le football est un sport qui se fait avec une équipe de 11 joueurs. C'est un sport collectif. Vous connaissez le rugby. Le rugby est un sport collectif qui va se faire avec 15 joueurs, une grande équipe. Mais il y a des sports comme le handball, comme le volley, comme le différents sports qui vont être des sports collectifs. C'est-à-dire où on est plusieurs joueurs ensemble. Alors des petites équipes, ça peut être une équipe de 5 joueurs, ou alors une grande équipe, je vous dis, comme au rugby, où on est 15 joueurs. Le basket, le handball, le football, le volley, le rugby, voilà, le baseball. Le baseball, c'est un sport d'équipe, même si dans le sport d'équipe, on a des moments où on est tout seul. Le batteur au baseball sera tout seul pour renvoyer la balle, mais il va faire marquer des points à son équipe. Donc un sport qui est individuel si on est tout seul, ou un sport collectif quand on est plusieurs. D'ailleurs à l'école, on fait souvent des sports collectifs. Lorsqu'on nous retournera à l'école, si on peut après, selon le protocole sanitaire, réussir à faire des jeux, nous allons faire des jeux collectifs. Rappelez-vous les dernières poules, renards, vipères, où trois équipes se courent l'une après l'autre pour s'attraper. C'est un sport collectif, des équipes l'une contre l'autre. Et puis bien sûr, le sport peut être un sport d'hiver ou un sport d'été. Les sports d'hiver, alors ici c'est compliqué au Nicaragua, mais dans le reste du monde, dans plein de pays du monde, les sports d'hiver sont des sports qui vont se faire dans la neige, sur la glace, et qui se font justement en Europe, par exemple, en hiver. Puisque c'est à ce moment-là qu'il y a de la neige. Ça peut être le ski, ça peut être le bobsleigh, ça peut être le patinage artistique, plein de sports qui sont le ski nordique, le ski alpin, plein de sports qui sont faits justement avec les conditions de l'hiver, la neige et la glace. Et puis les sports d'été seront tous les autres sports qui ne se font pas sur la glace ou la neige, et ainsi de suite. Voilà donc pour le sport. Alors bien sûr, quand on parle du sport, on parle d'une activité sportive. On dit qu'on est un sportif ou une sportive. Et puis, d'autres mots, alors, on fait, quand on dit sportivement, ça veut dire avec du sport, avec une belle manière aussi. Et le sport, voilà, dans le sport, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut faire du sport pour se faire plaisir, tout simplement. Faire du sport pour se faire plaisir, pour être bien dans son corps et aussi pour être en bonne santé. Voilà, le sport, c'est aussi un gage de bonne santé et de bonne santé physique, mais aussi de bonne santé mentale, car ça fait du bien à l'esprit, justement, en ces moments où vous êtes souvent à la maison, où on ne voit pas les copains, et bien justement de faire du sport, de bouger, ça aide à se sentir bien, ça aide à bien dormir et à être en bonne santé. Alors ça peut être des sports donc, pour le plaisir, ou ça peut être des sports aussi en compétition, où là, il faut s'entraîner beaucoup, il faut faire beaucoup d'efforts, et s'entraîner, aller à l'entraînement régulièrement pendant des mois, des semaines, des mois, des années, pour être vraiment faire des concours de la compétition. Alors voilà, le sport, qui était le mode aujourd'hui, parce que vous avez vu que Petit Loup et Frédéric, on fait un peu de boxe. Alors, Frédéric ne sait pas faire de la boxe. Il voit qu'ici au Nicaragua, il y a beaucoup de boxe. Il trouve ça un sport. Enfin, on dit que c'est le noble art de la boxe. C'est quelque chose de très difficile et aussi qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement et qui demande beaucoup d'énergie aussi. Alors, Petit Loup adore ça. Depuis qu'il est au Nicaragua, Petit Loup, il veut faire de la boxe, il veut faire de la boxe et du baseball. Alors, pour le baseball, on verra plus tard. Mais pour l'instant, il allait s'entraîner au baseball dans son sac voilà, pour taper. Et puis, il fait aussi de la corde à sauter. Vous avez vu, il fait des pompes, il fait des abdos. Il va être, oh là là, vous allez voir Petit Loup, il va être en forme. En tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle date. Et vous retrouvez la date demain avec Anne-Sophie. Car rappelez-vous, chaque jour compte. Et au revoir et ne lâchez rien.